Bienvenue tout le monde au mini atelier vidéo de l'univers de Guillaume et Charlotte et la magie du massage. Je te présente Charlotte, moi, et Guillaume, qui a perdu son chat. Avant, minute, voilà, je suis ravie. Donc aujourd'hui, Guillaume et Charlotte se font garder par grand-mère et ils ont mis leur chapeau de cuisinier et vont cuisiner une belle surprise à leurs parents. Aujourd'hui, Guillaume et Charlotte vont cuisiner une belle soupe aux légumes avec grand-père. Pour ce faire, tu vas choisir la personne avec qui tu veux faire l'atelier. Si vous êtes plusieurs, aucun problème, vous pouvez vous installer deux par deux ou tout simplement en train, un en arrière de l'autre. Tout est correct, tout est parfait. On peut s'asseoir sur une chaise ou sur des coussins pour délimiter ton espace. Il est important de tamiser un petit peu la lumière, mettre une petite musique douce. On est là pour se faire du bien. Donc, pour le besoin de la peau, j'ai demandé à ma fille Angélique de m'assister pour cet atelier. Il y a une formule magique qu'on doit vraiment se souvenir. Donc, on demande toujours la permission à la personne si elle veut recevoir un massage. Donc, allons-y. Angélique, est-ce que tu veux recevoir un massage? Oui. Commence. Donc, pour faire une soupe aux légumes, on a besoin d'un chaudron. Donc, le dos ici, c'est notre chaudron. On va commencer par verser de l'eau. Donc, on vient mettre les mains sur la tête et je vais glisser jusqu'en bas du dos et je le fais trois fois. Je recommence la manœuvre et j'y vais doucement. On va couper les légumes maintenant. J'ai besoin du tranchant des mains que je viens déposer dans le dos de chaque côté de la colonne vertébrale qui est au milieu du dos. Donc, je peux y aller en petit coup. On peut y aller aussi dans des belles grandes manœuvres. C'est comme tu veux. Donc, pour la soupe aux légumes, on va couper des carottes. Donc, on va couper des carottes. On va prendre du navet. Moi, j'aime bien y mettre du céleri. De l'oignon. Dans la soupe aux légumes, tu peux y mettre tous les légumes que tu aimes. Ensuite, on va mettre du jus de tomate. Donc, on vient déposer nos mains sur la tête, mais cette fois-ci, je vais glisser de chaque côté de la tête sur les épaules et je vais glisser de chaque côté des bras jusqu'au bout des mains. Je reviens et je descends jusqu'au bout des doigts. Une dernière fois. On va maintenant mettre du sel et du poivre. Donc, pour cette manœuvre, on a besoin de la pulpe des doigts. Faire des petites percussions. Donc, sur la tête, on saupoudre du sel et du poivre. Et on descend sur les épaules et partout dans le dos. On va ouvrir les ronds. On va mettre les deux mains aux omoplates, et on va faire des ronds, comme ceci, en rouge. Maintenant, la soupe va bouillir. Donc, on dépose les mains dans le dos, et avec les mains, on va venir faire du bouillon. Donc, on fait plein de ronds. On va la laisser bouillir. En attendant, ça sent tellement bon. On va prendre une belle respiration. Et on va frotter notre bedon parce que ça nous donne faim. Maintenant, la soupe aux légumes est prête. On vient remercier notre receveur
pour ce beau massage. Je te remercie de m'avoir permis de t'offrir un massage. Voilà. Maintenant, on recommence la même séquence de manœuvre, mais en changeant de rôle. Donc, le donneur devient receveur, et ainsi de suite. Donc, je vais le refaire une seconde fois pour toi, et ensuite, tu pourras écouter l'enregistrement le nombre de fois que tu désires. Maintenant, vous avez changé de place. On demande toujours, avec la formule magique, est-ce que je peux t'offrir un massage? Angélique, est-ce que je peux t'offrir un massage? Oui! On se rappelle qu'on a besoin d'un chaudron qui est ici. On va faire, on va le remplir d'eau. On dépose les mains sur la tête et on glisse jusqu'en bas du dos. On remet les mains encore sur la tête et on glisse. Une dernière fois et on glisse. Pour couper les légumes, j'ai besoin du tranchant des mains que j'ai déposé dans le dos de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc, on peut y aller en petit coup ou en grand coup. Donc, quand j'ai dit, quels légumes on va couper? Des carottes. On coupe des carottes. Ensuite? Du céleri. Du céleri. Des tomates. Des tomates. Des poivrons. Du poivron. Du brocoli. Du brocoli. Maintenant, on va mettre du jus de tomate. Donc, on vient déposer les mains sur la tête et on va glisser de chaque côté de la tête, sur les épaules, sur les bras, jusqu'au bout des doigts. On remet les mains sur la tête, on glisse sur les épaules et on descend jusqu'au bout des doigts. Et encore une fois, pas oublier le sel et le poivre. Donc, avec le bout des doigts, on fait des petites percussions. On vient sur la tête, sur les épaules, partout dans le dos. Maintenant, on vient déposer les mains aux omoplates. On va ouvrir les hanches. On dépose les mains. La soupe va bouillir. Donc, on va faire du bouillon. Avec les mains, on fait des ronds. Partout, partout, partout. La soupe arrive. On va la laisser cuire. On a des belles odeurs qui nous donnent faim. Donc, on va prendre une belle respiration. En frottant notre bouton. Notre soupe aux légumes est maintenant prête. On remercie notre receveur pour ce beau moment. Merci de m'avoir permis de t'offrir ce massage. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un beau moment. Je vous laisse à votre activité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite... Je vous dis à bientôt.